C'est la Saint-Valentin. En effet, c'est un jour merveilleux pour les personnes amoureuses. C'est un jour extra pour moi, puisque j'ai pu avoir un rencard spécial pour ce soir. Excusez-moi petit stress, mais j'essaie de me préparer. Ceci. Il faut que je me présente convenablement, que je sois un petit peu coquet. Ça fait tellement longtemps que je n'ai plus vu personne, et en plus, cela arrive le soir de la Saint-Valentin. On peut dire que j'ai de la chance et que cette fête de l'amour tombe bien. Mais pour réussir à convaincre ma fleur, il faut que je mette correctement, convenablement, pour que je puisse satisfaire cette personne. Pour y arriver, j'ai bien entendu acheté un joli paquet de fleurs qui attend sagement dans le salon. Et pour accompagner ces fleurs, je vais préparer un joli plat. Ouh là là, attendez, j'ai mal calculé mon temps. Puisque si je tourne cette vidéo et que mon amour arrive. Non, c'est bon. J'ai cru que ma fleur arrivait d'ici un quart d'heure, mais j'ai encore le temps. Et donc, je profite de faire cette vidéo pour vous donner quelques conseils afin de mettre votre prochain partenaire dans votre poche. Eh bien, avec les fleurs, il faut proposer un excellent dîner gastronomique avec quelques petites touches personnelles. Regardez, de mon côté, je vais préparer pour ce soir. Un excellent hamburger. Mais pas un hamburger, deux. Vous prenez bien entendu un bon steak haché façon boucher. Je trouve que ces steaks ont un meilleur goût. Oui, je suis d'accord avec vous. J'aurais pu prendre des steaks frais et non surgelés. Mais quand on n'a pas ce qu'il faut, eh bien on fait avec les moyens du bord. Et bien entendu, pour bien réussir votre hamburger, puisque je sais que mon amour adore ce plat. Ça fait deux points positifs. Le plat plus les couettes. Les fleurs, j'espère. Bien entendu, comme je le disais, pour bien réussir votre steak, ou plutôt votre hamburger, il faut ajouter sur votre steak du ketchup. Ou alors vous pouvez
créer une sauce cocktail en mélangeant de la mayonnaise et du ketchup. C'est à vous de mettre votre petite touche personnelle dans vos plats romantiques. En plus, je vais me régaler. J'espère que mon amour a faim ce soir. Ah oui, il faut bien entendu ajouter autre chose pour réussir votre hamburger romantique. Il ne faut pas oublier les morceaux de fromage. Un élément très primordial dans un hamburger. Et très important. Je pense que, pour mon hamburger, je mettrai deux fromages. Je ne sais pas combien en mettre pour le deuxième. Je vais en mettre deux également. Ou alors, je vais peut-être en mettre un seul. Comme ça, si mon amour n'aime pas trop les fromages sur les hamburgers, eh bien, je prendrai celui avec un seul fromage. Enfin, plutôt, je prendrai celui avec deux fromages et je lui passerai celui avec un fromage. Et s'il adore le fromage dans les hamburgers, eh bien, je lui donnerai celui avec double fromage. N'oubliez pas mon conseil pour des hamburgers romantiques réussis, du fromage, le ketchup et bien entendu l'excellent steak façon bouchère. Et ouais, même si vous pensez que les bovins sont herbivores, j'aime me faire plaisir de temps en temps avec de la bonne viande. Puisque je vous rappelle que les minotaures sont également cannibales. Mais non, non, non. Je ne mangerai pas mon amour ce soir. Ce n'est pas le but. Il y a un autre but très important. Mais je vais y revenir après. Puisque, que serait un repas romantique sans dessert? Et pour cela, j'ai acheté de quoi faire une bonne mousse au chocolat. Vous prenez des carrés de chocolat spécial dessert. Ou si vous n'avez pas, vous prenez des carrés de chocolat avec un bon gros pourcentage de cacao. En plus, c'est extrêmement facile de faire de la mousse au chocolat. Il vous faut ceci, bien entendu, parce qu'on ne pourrait pas l'appeler une mousse au chocolat, mais vous ajoutez à cela des œufs, il vous faudra également du sucre, et c'est tout. Peut-être un tout petit peu de sel, mais pas trop, c'est un dessert et non un plat salé. Il ne faudra pas trop que je traîne. Ah, mais non, mais je suis bête, puisque je fais toujours une ou deux mousses au chocolat de côté. Et il doit m'en rester, je pense, trois bols de mousse au chocolat dans le frigo. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter de ce côté-là. J'aurai juste à faire les hamburgers pour ce soir. Et si tout va bien, avec ma fleur, pourra passer à l'étape suivante. L'étape la plus importante. Puisque je vous rappelle que c'est la journée des amoureux. Qui dit amoureux dit forcément des trucs coca le soir. Et c'est pour cela aussi que je me suis fait beau. Je me suis fait coca. À l'heure, rien que le fait d'y penser,
si vous avez bien réussi l'étape de la gastronomie, vous pouvez passer à l'étape suivante. Comme je le disais, l'étape la plus importante. Et je n'ai pas oublié de faire quelques réserves. Rien que d'y penser, je rougis. Ah oui, ça sert à ça, la Saint-Valentin. C'est pour se faire plaisir. Le plaisir de partager. Un plaisir mutuel. J'espère que j'en ai assez. Non, ça c'est la notice. J'en ai pas besoin. Depuis le temps. Alors. Je ne sais pas combien il nous faudra ce soir si je réussis l'étape de la gastronomie. Je pense que un seul ne sera pas assez. Deux minimum ce soir. Et pourquoi pas un petit troisième pour la route. Et bon, il me reste encore un bon paquet à l'intérieur. Je préfère vous préciser que ce n'est pas moi qui veux les utiliser. Ah oui, ça va être extra ce soir. En plus, ça fait un bon moment. Donc, il faut que je me prépare. J'aurais pu mettre quand même un petit nœud rose sur le derrière, mais j'ai pas eu le temps de passer à un magasin spécialisé. Bien que peut-être me mettre un petit peu de parfum, ça peut être pas mal aussi. Donc, alors, le repas gastronomique, les capotes pour ce soir. Et je vais regarder si il m'a envoyé un message, puisque j'ai senti mon portable vibrer pendant que je faisais cette vidéo. Alors, hop là. Voyons voir. Alors, est-ce que j'ai reçu un message? Ta 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 ta. Ah oui, j'ai reçu un message. Qu'est-ce qui me met? Alors, vite, vite, vite. Alors, vite, qu'il soit bientôt 21h. J'attends que ça. J'attends surtout la partie du soir. Oh non. Non. Mon partenaire. C'était une blague. Je serai tout seul ce soir.